À Bourges, Benjamin poursuit son itinéraire bis avec Fish, le street artiste. Allez, c'est parti! Situé sur la friche d'une ancienne usine, l'entrepôt est aujourd'hui un site dédié à la culture et à l'art contemporain. Fish et Tolt vont pouvoir y peindre en toute légalité. Alors, ce que je veux bien que tu fasses pour commencer, c'est que tu me chopes deux petits morceaux de scotch blanc pour venir mettre les marqueurs. Comme ça? Ouais. Et tu viens me caler juste derrière. Ok. Ouais, nickel. Plus t'as de détails, plus c'est précis, plus ouais. Les pochoirs ils doivent être fixés exactement au-dessus. Parce que tout est dessiné pour que ça corresponde à chaque fois pile dessus. Mais vous allez voir, la petite image là qu'on va peindre grâce au pochoir, c'est une image que j'ai donnée du coup à Fish. Une photo d'un vieillard que j'avais prise en Arménie. Moi j'ai bien hâte de voir ce que ça donne en tout cas. L'artiste commence par poser la première couche de peinture dans le premier pochoir. Tiens, si tu veux essayer. Allez. Du coup, toujours dans le même sens, horizontal ou... Ouais. Souple, voilà. Ah bah t'es nickel. C'est bien, j'ai un assistant du coup. Ça m'arrive rarement. Donc là, une fois qu'on a fait la première, c'est rebelote. Et là, on attaque un niveau de détail supérieur. Et à partir de là... D'accord, je comprends mieux quand tu me disais que tu avais mis un peu de temps pour la découpe. Attends de voir les derniers. Ça devient technique. Fish va ensuite superposer quatre pochoirs différents et les remplir avec quatre couleurs différentes afin de faire ressortir les détails. C'est fou de se dire que même des trous comme ça, ça peut avoir son importance pour les détails. C'est même ceux qui ont le plus d'importance presque. Notamment au niveau des yeux, comme je travaille beaucoup autour en fait, du regard. Ah oui. Toute l'émotion que j'essaye de faire passer dans un pochoir, en fait, elle va passer par moments juste sur l'œil. On arrive sur la toute fin. Il reste juste les petits détails à rajouter. Allez, c'est parti. Oh là là! C'est magnifique. J'ai l'impression de revoir la photo d'origine. Bon, bah bien joué. Bravo, c'est du beau boulot. Je te remercie. L'histoire de cette photo n'est pas terminée. Bourges réserve encore d'autres surprises.